J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Simon Krieger, responsable R&D chez Roxxon Energy. Monsieur Krieger, vous avez vanté les mérites de vos réacteurs à Uniform, dont le premier sera bientôt mis en service à Arles. Et pourtant, vous avez des détracteurs. D'abord, Jonah, je tiens à vous dire que c'est un honneur et un plaisir d'être invité dans votre émission. Oh, vous allez me faire rougir. Et vous avez raison. Nous rencontrons de la résistance. Notamment de la part de Rio Morales, qui se présente au poste de conseillère municipale lors des prochaines élections. Et j'ai beaucoup de respect pour Madame Morales. C'est quelqu'un de très intelligent et un modèle pour toutes les jeunes femmes. Mais je suis convaincu qu'elle se trompe de cible. Salut Spider-Man, enchanté, moi c'est Caleb. J'ai vu votre fresque chez Théo. Ah, c'est l'autre Spider-Man ça. Mais moi aussi, je peux vous aider. Toutes les boutiques de la rue se sont fait voler des marchandises ces dernières semaines. Papeterie, outils, produits d'entretien. On est des petits commerçants, c'est une catastrophe pour nous. Vous l'avez signalé ? Bien sûr, mais personne ne nous prend au sérieux. Camilla, la patronne du restaurant d'à côté, a décidé de prendre les choses en main. Elle est allée directement au centre de distribution où on se fournit. Je la retrouverai là-bas, je me rendrai utile. Merci Spider-Man, c'est bon d'avoir quelqu'un qui nous protège. Yankee, je m'intéresse à des vols sur la rue principale de Harlem. Caleb Slinkett, c'est pas la fouette. Oh, j'adore pas la fouette. T'as goûté leurs arrêts passes? Je peux pas trop manger avant de faire des trucs de ces avéros. C'est un peu comme pour la piscine. Ouais, je comprends. Alors, c'est quoi le plan? Retrouver les marchandises volées, qui les a volées, et voir si c'est les mêmes qui s'en sont pris à la bodega de Théo et au Fist Nord. Ça roule. Je me penche sur la technologie, les cartes et la résolution des problèmes. C'est le centre de distribution du quartier de Calem. La police? Qu'est-ce qui se passe? Les témoins ont vu une femme se faire enfermer dans le coffre d'une voiture après une dispute. On l'a identifiée? Grâce à une caméra Oscorp. Camilla Vasquez, elle tient le Panafuerte à Harlem. Oh mon Dieu! Ils ont kidnappé Camilla! Je dois essayer de la retrouver, mais la police va pas vouloir que je m'approche. Peut-être que si j'examine les indices... Camilla ne s'est pas laissé faire. Faut que je découvre où ils l'ont emmené. Allez, messieurs, dames, merci de circuler. Un ticket de parking. À Chinatown. Ok. Mais où ça, à Chinatown? Y a du nouveau? C'est dur de faire la différence entre ce qui est important ou non. Un certain Caleb Ward a signalé des vols dans le quartier nord. Ça pourrait être lié. En même temps, il se passe toujours un truc dans ce coin. Monsieur, s'il vous plaît, je dois vous demander de ne pas rester campé ici. Ça fait un paquet d'enfants. On manque toujours de personnel au moment des fêtes. Il faut bien que quelqu'un se sacrifie. C'est vrai que t'es seul à pas... Dis-le, à pas avoir de famille. Désolé. T'as entendu ce qui s'est passé avec le métro? Le nouveau Spider-Man a remis le métro en marche. Bon, au moins, il essaie de se rendre utile. Et n'approchez pas! C'est une scène de crime. Ça fait un sacré bout de temps que je l'ai pas vu, votre Spider-Man. Il a peut-être pris sa retraite. Une veste de chez David's Complete Auto Repair. Quelqu'un a dû l'abandonner en filant. Hé, hey, tu sais où je peux trouver le garage David's Complete Auto Repair? Il y en a 12 à Manhattan. Il y en a un à Chinatown? Ouais, je t'envoie l'adresse. Ah,
Chinatown. Une femme correspondant à la description de notre victime vue dans une ruelle. On y va. Hey, Spider-Man, vous avez des pistes pour nos marchandises? Ouais. Les gars qui ont tout volé. Camilla a dû les prendre en flagrant délit. Ils l'ont kidnappé. Quoi? Vous êtes sûr? Complètement. Je vais essayer de la sauver. Heureusement que vous êtes venu vous en mêler, Spider-Man. Merci. Tout va bien, madame? Spider-Man! Ah, je pensais pas que... Ah, mais ces hommes-là! Tout va bien. Vous êtes en sécurité. Ces types ont été payés pour voler nos marchandises et faire fermer nos boutiques. Ils gardent tout sur les quais de la voie rapide. Ils sont près du pont. Je vais la récupérer. Vous voulez de l'aide pour rentrer chez vous? Non, je vais appeler un taxi. Gracias. Vous m'avez sauvé la vie. Ganki, Camilla est en sécurité. Elle a surpris ces types en train de voler les réserves. Quelqu'un les a payés pour faire ça. Justement, j'ai fait des recherches. Quelqu'un a déposé une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique à la mairie, pour faire fermer les commerces dans la rue de Camilla et Caleb. C'est sûrement le même gars qui paye ces criminels pour qu'ils viennent s'installer. Exactement. Du coup, j'ai déposé un recours pour demander une enquête sur l'acheteur du terrain. C'était trop un génie! Bon, je pars sur les quais récupérer la marchandise. Je te rappelle. Des caisses. Encore des caisses. Partout. Où est-ce qu'ils sont planqués, la marchandise? Eux, ils doivent savoir. Si je tends l'oreille, je saurai quelle caisse je dois ouvrir. Je les entends pas avec le conteneur. Paraît que le patron veut qu'on fasse fermer le piste. Plus maintenant. Le nouveau Spider-Man l'a fait rouvrir. Ce petit crétin. Ceux qui nous cherchent font pas de vieux os. Ces types ne m'apprennent rien. Faut que j'aille écouter ailleurs. Je sais pas si je continuerai à bosser pour le Mastoc quand il sera implanté à Harlem. Pourquoi? T'aimes pas l'argent?
Il y a des fois, il veut faire des trucs qui sont contre mes principes. Les drogues, le racket, ça passe. Mais il bute des gens. Je savais pas que t'étais une mauviette. Faut savoir poser ses limites. C'est pas ce que je cherche. Vous allez faire quoi avec tous ces machins? Des ciseaux à barbe? Des range-serviettes? On va tout balancer. Tu peux commencer si tu veux. Conteneur vert avec l'étoile blanche. C'est bon. Je vais pouvoir m'occuper de ces types. Pour un méchant mystère, 0. Bon, marchandises, conteneur vert, étoile blanche. Un conteneur vert, étoile blanche. Voilà, la marchandise devrait être là-dedans. Bloquée derrière d'autres caisses, cette grue pourrait servir. C'est bon. Maintenant, faut sortir l'inventaire de la caisse. Sérieux? Mais vous êtes combien? Allez, sort tout ce que t'as! Où est-ce qu'il faut faire revenir avec toi? On va frapper votre patron qui s'est donné des lance-roquettes! Les enfants! C'est pas malin de s'en prendre aux honnêtes commerçants de mon quartier. Tu m'échapperas pas. Pourquoi vous voulez forcer un coiffeur à fermer? On en a besoin. Le passage est détruit. Redescendez-le au sol. J'ai tellement hâte de plus vous voir à Harlem. Sont là. Toutes les marchandises volées. Caleb, j'ai retrouvé votre inventaire. Envoyez quelques camions sur les quais et je vous aiderai à les récupérer. On était prêt à déclarer la faillite et à mettre la clé sous la porte. Mais grâce à vous, on va pouvoir s'en sortir.
Merci mille fois. Vraiment. Si jamais vous avez besoin d'une coupe, venez me voir. C'est la maison qui offre. Vous allez faire comment avec le masque ? Oh, je me débrouillerai. Oh yeah, il faut bien que vous mangiez aussi. Vous êtes en pleine croissance. Venez à Panafuerte quand vous voulez, et on vous préparera quelque chose. Je vous remercie, tous les deux. On vous doit une fière chandelle, Spider-Man. Tout le quartier vous en est reconnaissant. Hé, hey, j'ai parlé avec une graffeuse du quartier qui s'appelle Hayley. Elle a une piste sur l'endroit d'où opèrent les types qui ont l'intention de racheter Harlem. C'est génial! Et je peux la trouver où? Elle aide à préparer le défilé des rois mages. Mais je t'enverrai un message sur l'appli dès qu'elle sera dispo. Ah oui, tu connais la langue des signes? Elle est sourde. Sur le bout des doigts. J'ai eu 15 au dernier semestre. Super. À plus. Salut, petit. Retrouve-moi sur les quais à Hell's Kitchen. Ça marche. Qu'est-ce que je fais pour Finn? Je réessaie de lui parler. On pourrait se retrouver quelque part. Au Forum des Sciences ou à Trinity Church. Non. Elle sait que je lui ai menti. Elle voudra pas me voir.